Yo les gars, c'est Nishu, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc c'est la partie 2 de l'ouverture Pokémon Go. Sauf que là, c'est une autre collection. Bon, je suis dans la même position, je vais peut-être encore avoir mal aux jambes. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors du coup, on a 5 magnifiques tri-packs. Je sais pas c'est quoi les cartes promo, si elles sont différentes. Mais en tout cas, moi, celle que j'ai, c'est Tombero et Evoli. Si jamais il y en a d'autres, dites-le-moi dans les commentaires. Mais du coup, j'espère qu'il n'y a que les deux là, comme ça voudrait dire que je les ai toutes, entre guillemets. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les boosters. J'aurais peut-être dû ouvrir en vidéo. Non, quoique, je vais essayer de me dépêcher. Hop. Je vais ouvrir les boosters, je vais récupérer les cartes promo. Et après, on va s'ouvrir tout ça. Alors attendez, je vais vous mettre un petit visuel sympathique pendant que j'ouvre les autres. Voilà, magnifique. Hop. Premier pack, ça dégage. Donc on a un petit tombéro que je vais laisser là. Le code, je vais le laisser à côté, là-bas. Hop. On a du coup trois petits boosters. On va faire ça avec toutes les autres. Hop. N'hésitez pas à aller voir ma deuxième vidéo que j'ai faite sur Pokémon. Pas Pokémon Go, mais sur... la collection Pokémon Go. Elle était vraiment, vraiment bien. Je vous conseille vraiment de la voir. Si vous voulez voir des belles ouvertures, faut surtout voir cette vidéo. Alors que celle-là, on ne sait pas encore ce qu'on va avoir. On verra bien. C'est un peu long, les gars. Mais je préfère ouvrir en même temps avec vous en vidéo plutôt que hors vidéo parce qu'on ne sait jamais. Imaginez, on a des cartes de fou. Ça pourrait être du fake. Donc, j'ouvre comme ça. Ma vidéo Pokémon Go en plus. Tellement on a eu des cartes de fou, j'avais le seum de l'avoir ouvert hors vidéo. En fait, je l'avais ouvert en vidéo, mais là, ça me plaisait pas. L'intro, elle durait 4 minutes, mec. Donc, j'ai préféré la refaire. Hop, la première Evoli. Les codes, je suis désolé, les gars, mais je vais les garder. À l'époque, je me rappelle, je les donnais tous, mais. Là, je les garde parce que, en fait, j'accumule tellement de codes. D'ailleurs, je sais pas s'ils se périment. J'espère pas. En fait, je pense pas. Je sais pas pourquoi les codes se périmeraient. Parce que y a des packs, tu peux les retrouver 10 ans après en boutique. Donc, pourquoi ils seraient périmés? Donc, en tout cas, je ferai sûrement peut-être une vidéo où juste j'ouvrirai de mon côté tous les codes. Ok, on a fini, les gars. Les cartes promo, qu'est-ce que je vais en foutre? Je vais les mettre là-bas, je pense. Hop, mon lit, il est parfait. Les gars, je les abîme pas, les cartes, il n'y a pas de problème. Je les mettrai sous blister plus tard. Putain, on a tellement de packs, les gars, c'est une dinguerie. J'ai jamais eu autant de packs. Je les ai trouvés tellement pas chers, en fait, j'étais obligé de les acheter. Parce que moi, je suis quelqu'un qui achète que des ETB ou des coffrets qui ont des cartes promo et tout. Mais en fait, là... D'ailleurs, oh merde, j'aurais dû voir chaque truc que j'ouvrais. Pour voir le quota dans chaque tri-pack. Bon là, trop tard, ils sont tous mélangés. Je vais encore plus les mélanger en plus. Comme ça, on n'a vraiment aucune idée. Hop. Parfait. Mais du coup, ouais, moi, je n'ouvre pas de tri-pack d'habitude. Sauf que là, mec, il coûtait 15 euros unité. Sachant qu'un booster de base, vous savez, c'est 7 euros. Ils ont monté les prix. Sauf que là, bah, 15 euros, ça veut dire que j'avais chaque booster à 5 euros. Plus, en plus, les cartes promo, qu'on n'oublie pas. Enfin, bref. Est-ce que je m'assois dans une autre position? Parce que là, je suis un peu dans la merde. Bougez pas. Hop. Mais je sais pas comment m'asseoir en fait. Sans que vous voyez, mais yep. Mec, je suis tellement assis comme n'importe comment. Bon, on va dire que c'est ok. Hop. Allez, let's go. Non, je peux pas rester comme ça. Oh, comment je m'assois, frère? Je sais pas. Ouvre-toi, toi. Attends. Je vais me mettre comme ça. Hop. Voilà, là c'est mieux. Hop. Bon, la vidéo dure 3 ans, mais tranquille, les gars. Allez, oui. Les boosters, ils mettent toujours 3 ans à s'ouvrir. Alors, c'est de quel côté qu'il y a le code QR? Enfin, le code. Ouvre-toi! Allez, moi je déchire pas les boosters d'ailleurs, c'est pour ça que je prends... Oh bah c'est dans l'autre sens.
Ok, hop. Donc c'est sens inverse. Le petit code. 1, 2, 3. 1, 2, 3, combien? Je crois qu'il n'y a pas de 1, 2. Il y a 0. On fait pas. Ok, c'est parti. Batrachnée. Zigzaton. Insécateur. Meltan. Darumacho. Mastouf. Croix-Porale. Point vengeance. D'ailleurs, on peut avoir des cartes, je crois, à l'emplacement des reverses. Donc, on va faire attention. Une deuxième reverse. Première rare. Oh non, ça me bait tout le temps, ça. Ok, c'est juste une holo. Et la petite. Je sais plus, vas-y, frère, je bégaye. L'énergie éclatée. J'ai pas trop vu de vidéo de cette extension. Donc, je me rappelle pas exactement ce qu'on peut trop avoir. Est-ce qu'il y a des TG? Est-ce qu'il y a des. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un Dracaufeu stylé. C'est tout ce que je sais. Et c'est notre objectif aujourd'hui. Bon, je pense pas qu'on aura autant de chance, mais on sait jamais. Mec, j'arrive pas à ouvrir. Ok, parfait. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4. Allez, let's go. Oh mec, on a spoil. Ah merde, mais je suis trop con. J'ai oublié qu'il fallait pas faire 1, 2, 3. Oh, Ampibidou. Et une holo. Merde, bah les gars, je suis désolé, j'ai complètement fail le paquet. Ça se reproduira plus, je suis un peu gogol. Putain, parce que on était sur du bouclier juste avant, Pokémon bouclier. Bon bah au moins on a une petite carte sympa. Hop, un petit Ampibidou. Très joli. J'adore les cartes comme ça en plus. Ok, on continue. Ah, j'ai déjà plus de voix. Il nous reste encore 15 boosters. La vidéo va être catastrophique, mec, je le sens. Je suis assis n'importe comment, j'ai plus de voix. Mais vas-y, le principal, c'est qu'on s'amuse bien. Bon, attendez. Hop, j'ouvre avec les dents. C'est plus simple. Ok. Est-ce qu'il y a des codes couleurs d'ailleurs? Je crois qu'ils ont arrêté les codes couleurs. Ils l'avaient fait à bouclier. Merde, oh, j'ai failli le faire, les gars. Ok, je le fais pas. Hop, on retourne direct. Ok, Magnéti. Pyronii. Brindibou. Sapero, Poppy Playtime, Celerock, Efflèche, Noctali. Ok, on va doucement. La première reverse. Je crois que la première reverse est toujours reverse, de ce qu'on m'a dit. Si, si, si. What the f. Pourquoi j'ai une holo? Oh, ok. Elle était reverse celle-là. Mec, ça se voit vraiment pas. Ah, mais du coup, ça m'a troll. Wouah, mec, c'est une dinguerie. Ça, je me suis fait troll. Ok, j'ai cru qu'on avait un truc de fou, mais c'était juste une reverse qui était cachée. Mais on dirait tellement pas qu'elle est reverse. Mais on dirait vraiment pas. Mais je crois qu'elle a été moins print que les autres. Sauf si les reverse black, c'est toujours comme ça. On verra si on en a une autre. Mais peut-être que c'est un misprint ou un truc dans le genre. Peut-être c'est un mini bug. Ok, ah, j'ai failli faire encore 1, 2, 3, 4. On colle bien les cartes et on retourne. Topicœur. Brindibou. Pyronii, Dauphin, Crabominable, Mésibule. C'est cool d'avoir les nouveaux Pokémon. Pepper. Ok, là c'est une vraie reverse pour le coup. Ok, deuxième reverse. Et une holo. Mec, j'ai trop le seum. On passe d'une ouverture incroyable à un truc pourri pour l'instant. Bon, on a eu un petit Ampibidou, mais bon. Voilà quoi, Ampibidou, il est bien gentil. Après, ça se trouve, tellement j'ai mélangé les paquets, les cartes rares sont toutes derrière. Et j'espère. Ok. Let's go. Snubbull. Finito. Rototo. Polarume. Malamandre. Que j'ai toujours pas en shiny. Tropico. Kangourex. Première reverse. Sapero. Encore une reverse. Super. Oh! Une V-Star, ça, je crois. Une Terra Crystal, je voulais dire, pardon. Je voulais dire Terra Crystal. Ok, Béca Glaçon. J'adore ce Pokémon. Donc, c'est super. Ok, parfait. Je voulais dire Terra Crystal, V-Star. Qu'est-ce que je raconte? Je vais pas la mettre sous protège-carte maintenant, je pense. Le Terra Crystal, c'est pas si rare que ça. Je la mettrai évidemment après, mais on n'est pas pressé. Elle va pas s'abîmer. Hop.
En vrai, très belle carte, franchement. Je crois que j'en ai presque jamais eu des Terra Crystal. Peut-être la première, je me rappelle pas. Et j'aime bien ce Pokémon, donc pour l'instant c'est validé. Trampignon, Rockcool, Funessir, Limonade, Limonade, Noctali. Ok, elle est pas river celle-là, on va pas se tromper. Poppy, la première. Oh, une. Ah, quoique, attends, il y a deux. Oh, je crois que c'est une alternative. Oh, Alisma, la maître de la ligue. Bah, du coup, c'est pas une alternative, je pense. C'est peut-être juste une dresseur. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Il y a trop de raretés différentes, je comprends rien. Mais elle a pas l'air juste dresseur. Genre, c'est pas juste le personnage. Il y a quand même un art différent. Donc, c'est peut-être une alternative. En tout cas, elle est très belle. On va la mettre sous protège-carte, celle-là. Hop. Attendez. Je suis perdu. Ok, mes cartes, je les mets là. Alors, mon petit protège-carte, où est-ce qu'il est? Hop, Alisma. Hop. Je ne mets pas mes doigts dessus, vous inquiétez pas, c'est le protège-carte. Franchement, elle est très stylée. Alors, Alisma, c'est pas mon perso préféré. Très loin de là. Mais c'est aussi loin d'être un perso que j'aime pas. Donc, je suis content. Puis, c'est quand même le maître de la ligue. Enfin, la maître. La maîtresse, la maître. Bon, Bec à glaçon, il veut pas rentrer. On va le mettre quand même sous protège-carte maintenant, le pauvre. Ok. Pour l'instant, franchement, ça va. Il nous reste encore pas mal de packs. On en a ouvert déjà 5, je crois. Ou c'est le cinquième. Allez, allez. Oui, c'est une galère. Il y a aussi le Ampibidou. Faut pas que je l'oublie. Le petit Ampibidou qu'on a eu en TG. Bon, attendez, je vais ouvrir avec. Voilà. La technique des dents qui marche impeccablement bien. En vrai, c'est cool qu'ils aient enlevé le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Maintenant, t'as juste à. À la limite, tu peux mettre l'énergie devant. Hop. Voilà, à la limite. Ok, Cravagar. Mélofée. Pimito. Centre commercial. Il ressemble pas à ça dans le jeu. Je sais pas, ils l'ont trouvé où celui-là. Camerupt. Terrestre de Paldea. Il est pas reverse, lui. Je me méfie maintenant. Lame. Attention. Juste une reverse. Et derrière, juste une holo. Ok, dommage, dommage. Bon, les packs sont pas très généreux. Peut-être pour ça qu'ils valaient pas si cher en fait. Parce que c'est pas peut-être des packs généreux de fou. Après, en vrai, on a eu des bons hits. On aurait pu avoir juste des vieilles V. Attendez, les gars. J'ouvre avec mes dents. Wesh, même comme ça, j'ai pas réussi. Ce pack, il cache quelque chose. Si c'est pas un Dracaufeu. Mec, il veut pas. Mec, je vous jure, il veut pas. C'est même pas le. J'ai eu le plastique. Attendez. Wesh, c'est une dingue. Ok, c'est bon. Il est tout baveux, attendez. Wesh, c'est dégueulasse. Ah. Mec, le pack est tout baveux. J'espère les cartes ne sont pas mouillées. En plus, je l'ai abîmé un peu le booster. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je pense que je suis le seul mec au monde qui garde des boosters. On va laisser comme ça. Hop. J'ai vu un truc briller, mais c'était sûrement une holo. Tritonde. Aragdo. Chamalotte. Tomolotopop. Archéodong, Polagriffs, première reverse, la deuxième aussi, et comme je l'ai prédit, une holo. Franchement, je suis vraiment déçu de ces packs. Il nous reste combien? 3, 6, 7. Il nous en reste 7. Mais pour l'instant, je suis un peu déçu. Ouais, je sais pas en vrai. Bah, j'aurais peut-être dû juste en prendre 2 pour avoir les deux promos. Après, il valait quand même vraiment pas cher, donc ça vaut le coup. Même s'il n'y a pas grand chose dedans, je pense que ça vaut le coup. Et puis en plus, on n'a pas fini. Il faut arrêter de désespérer. Apitrine, Vrombi, Umbrillex, Mello, Tombero, Excavarène, Camerupt. La première reverse, un petit Umbrillex. La deuxième, pas de carte intéressante. Et encore une holo, mes frères. Non, là, c'est vraiment catastrophique pour le coup. Bon, après, si jamais on a un petit Dracaufeu, je pense que ça peut rattraper. Si jamais il veut venir, le petit Dracaufeu. Hop. Ok, on retourne bien. Ah, ben j'ai un peu fail. On a encore vu une holo de merde. Funessir, Manglouton, Salamèche et Flèche.
Fragroin, Malamandre, premier reverse, deuxième reverse, toujours rien. Et une holo de merde, c'est la même en plus. Oh, mec, les packs sont tellement à chier. Il nous en reste que 5. Dites-vous que là, on a ouvert déjà 10 packs, il n'y avait rien. Aïe, aïe, aïe. Faut juste espérer que les meilleurs packs soient à la fin. Même si, bon, les probabilités font que... Voilà. Attends, je vais essayer de bien retourner cette fois. Parfait, magnifique. Balbuto, Dauphin, Pyrony, Trompignon, Noctali. J'ai l'impression qu'on voit les mêmes cartes alors qu'il y en a 200 dans la collection. Céleroch, Archéodon. Bon, déjà, on a... Ouais, petit gourmelet. Et ok, une ex. Ok, on n'a rien en 10 000 packs, mais en un seul pack, on a deux cartes. Bon, c'est vraiment très loin d'être les meilleurs, mais bon, c'est sympa. Donc, on valide. J'ai déjà plus de voix. C'est terminé pour moi. C'est ciao. Wesh, ouvre-toi. Oh là là. Je deviens aigri, là. Puis j'ai la dalle. Mélofée. Pimito, centre commercial, Exagel, ok, si tu veux. Daru Macho et Flèche. Premier reverse, on a Sapero. En deuxième, un autre truc éclaté. Et peut-être un truc bien derrière. Non, ok. Aïe, 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 je suis désespéré. Heureusement que l'ETB, elle était incroyable avant. Ça rattrape. Mais là, j'attends juste un truc, c'est que dans les derniers boosters, il y a une dinguerie et que je sois choqué. Shockbar DBZ, Topicker, Brindibou, Balbuto, un petit dauphin, Roray, Draco, oh Karmadura, tête en poule, Topicker, il y a peut-être un truc derrière, oh un petit Dracofeu peut-être, oh le scam, ok, bref. Mec, le scam. Bon, attends. Ça, c'était le plus gros scam que j'ai jamais vu, mais... Franchement, un Dracofeu X, j'aurais pris. Ça aurait été déjà bien. Mais Victini, là, je peux pas. C'est quoi ce scam de fou? Tête d'ampoule. Barloche. Gourmelettos. Topicos. Tortikis. Feunartis. Poltegis. Ok, allez, dites-moi un truc bien, s'il vous plaît. Ok, par pitié, une alternative de fou malade. Par pitié. Mais wesh! C'est une dinguerie! Mec, ils me mettent la même carte! Mec, je vais péter un câble! Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, Dalisma? Putain. Au minimum, si vous me dites que c'est la meilleure carte de l'extension. Mais je pense pas, hein. Mec, j'ai trop le seum, la vie de ma mère. Après, peut-être, il y a un mec dans les commentaires, il va me dire « Mec, je te jure, c'est la meilleure dresseur, t'as trop de chance et tout. » Mec, j'ai juré l'éclater. J'aurais préféré deux Dracofeu. Même un. Je préférerais avoir un Dracofeu que deux Alisma. Bon, dernier pack. Hop, l'énergie, elle dégage direct. Allez, s'il vous plaît, je me spoil pas si jamais je fail. J'aplatis bien les cartes et c'est parti. C'est bien top. Terra cool. Allez, c'est le dernier pack. Faut y croire. Tête d'ampoule. Terrestre. Grande boule. Rien du tout. Ok, la première reverse. Attends, c'est pas une reverse, on est d'accord. Ouais. On se méfie, on sait jamais avec les cartes noires. Première carte, que dalle. Et la dernière. Par pitié, un truc, c'est par pitié. Non, mec, j'ai trop le seum. Oh my god. Bah les gars, j'étais jamais des cartes tripac éclatées. Oh, mec, j'ai eu trop de la merde. J'ai eu deux fois la même carte éclatée. Un bec à glaçon, bon, il est joli, mais on a eu juste deux TG et deux ex moches. Ça me fait combien de quotas à peu près? 4, 5, 6, 7. Ça me fait une bonne carte tous les deux packs. C'est pas fou en vrai. Une carte incroyable tous les deux, enfin incroyable même pas. Une bonne carte tous les deux packs, c'est vraiment pas fou. C'était quoi le quota sur mon ETB? Attendez, je vais compter. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Sur mon ETB, les gars, j'ai eu 6 ultras sur 10 boosters. Donc c'est à peu près pareil en vrai. Ouais, non, un tout petit peu plus, mais légèrement. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'étais aigri à fond, mais en vrai, c'est mérité. On n'a pas eu des bonnes cartes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout le tralala. Ciao!